l'espérance et la vertu théologale par laquelle nous devrions désirer le royaume des cieux. En prenant confiance, non sur nos forces, mais sur la grâce du Saint-Esprit. Durant son enfance, Notre-Dame a pratiqué la vertu de l'espérance de façon immanente. Bien qu'elle vivait dans un milieu très tumulte et des agitations de son époque, elle espérait ardemment la venue du Sauveur. Très souvent, nous sommes tentés de limiter l'horizon de la vie présente, nous croyant que le vrai bonheur n'est possible qu'ici sur terre, ou encore de l'apparente sécurité que nous procure à nos matériels et financiers. Au milieu de ce monde qui passe, tous les chrétiens sont appelés à imiter la Vierge. Comme elle, nous devrions désirer ardemment la venue de Jésus-Christ, roi des nations. Nous devrions nous rappeler que le vrai trésor se trouve au ciel, là où ni la teigne ni la rouille peuvent le détruire. La Vierge manifesta la fermeté de cette espérance dans d'autres circonstances de sa vie. Par exemple, lorsqu'elle espérait que ce soit Dieu lui-même qui devait révéler à Saint Joseph l'origine divine de sa maternité. Au-delà de toute angoisse et de toute tristesse, Notre-Dame a maintenu une profonde confiance dans l'assistance de son Dieu et Seigneur. Elle a cru et elle a espéré, sans jamais vaciller, que Dieu lui-même révélerait la vérité à son glorieux époux Saint-Joseph. Cette espérance de la Vierge Marie est peut-être celle que tous nous devons avoir aussi dans nos familles. Quand nous faisons face à des divisions, à des incompréhensions ou à toutes sortes de discordes, à l'exemple de la Vierge Marie, il faut espérer contre toute espérance que le Saint-Esprit lui-même rétablira la concorde et la communion dans nos familles. Si tous nous nous efforçons d'accomplir sa volonté dans une atmosphère de prière et d'humilité. Cette espérance théologale brille encore plus en Marie lorsqu'elle se trouve au pied de la croix de Jésus. Alors que son Fils semble être au comble de sa défaite, la Vierge ne doute pas un seul instant de son imminent triomphe. Le spectacle que nous offre le monde contemporain est parfois le lieu où tout n'est que souffrance, discorde, décadence morale. Ce spectacle peut souvent nous pousser au doute, au découragement et parfois même au pessimisme. Marie est cependant une étoile d'espérance qui brille de toute sa splendeur au milieu de cette tempête. Que sa glorification nous rappelle sans cesse que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.